Salut. Il n'y aura pas d'exfiltration, c'est obfuscation uniquement et un petit peu de post-exploitation à la fin. Donc aujourd'hui, Take Your Revenge and This Fucking EDR, le titre est un peu accrocheur, mais on va surtout parler de chat. On voit que mon écran s'affiche pas, pourtant j'ai le retour, super. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Qui je suis? Je suis un youtubeur avant tout, on va dire. J'aime beaucoup les chats, comme vous l'aurez compris, j'ai deux chattes à la maison. Et pour vous expliquer un peu mon niveau technique, si je reprends le talk de Charlie tout à l'heure sur la courbe de Dunning-Kruger, je suis toujours tout en bas en fait. Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va voir les trucs et astuces à propos des chats et un peu de trucs de cyber aussi. En gros, ce talk en fait sur les EDR, cette année, j'ai choisi de le mettre en 10 petits points, on va dire, qui sont importants. C'est des choses que j'ai pu tester, on va dire, pendant toute cette année sur différents EDR. Et on va dire que c'est un peu les règles que je m'applique lorsque je fais du contournement d'EDR. Et on va dire que c'est un peu des choses principales à garder en tête. La première des choses à garder en mémoire quand on fait du contournement d'EDR, c'est qu'il faut faire attention à l'entropie, aussi bien pour l'EDR que pour les antivirus ou tout autre mécanisme de détection sur les endpoints. Souvent, quand on a un payload, on a tendance à l'obfusquer avec une clé chiffrée avec XOR. On a tendance à chiffrer le payload avec une clé randomisée avec l'algo XOR. Ou alors, quand on dit « je ne fais pas de XOR », généralement, on fait de l'AES. Donc, quelle technique d'obfuscation induit une forte entropie? Eh bien, en fait, c'est toutes les techniques qui vont nécessiter du calcul. On a plein d'autres techniques qui existent, comme par exemple de l'IP-based obfuscation, du MAC address obfuscation, de l'UID obfuscation. Tout ça, en fait, ça va encoder, ça va pas chiffrer le payload. Et pourtant, ça va permettre de l'obfusquer quand même. Donc ça, c'est une des premières choses à faire, puisque ça peut être un indicateur, comme on le voit en fait un peu au-dessus. C'est un payload qui était chiffré avec AES. Et donc sur un EDR, je ne sais pas si j'ai le droit de citer SentinelOne, donc je ne vais pas le faire, mais du coup, on voit que ça a été détecté. La deuxième petite règle, c'est qu'il n'y a pas que VirtualAlloc qui existe comme option pour allouer de la mémoire. Généralement, si on prend par exemple le groupe d'attaquants Lazarus, leur technique, c'est du heapalloc pour allouer de la mémoire. Ils ont une obfuscation de leur payload avec UUID. Et ensuite, ils appellent une fonction enumSystemLocal pour exécuter leur shellcode. Le heapalloc, il est plutôt bien, sauf qu'il faut faire très attention en fait, à la taille de votre shellcode. Puisque si vous dépassez une certaine taille de shellcode, ça va automatiquement faire un appel en virtualalloc. Et là, justement, c'est ce qu'on veut éviter. Ensuite, la troisième règle, c'est d'éviter au maximum de faire du staging. Donc pour ceux qui ne savent pas, le staging, c'est en fait, on a une première étape, une première communication. On a en fait un loader qu'on va déposer sur notre endpoint. Et lorsqu'il va s'exécuter, il va dans un premier temps récupérer en fait la charge malveillante auprès du serveur de contrôle pour ensuite l'exécuter. En mode stageless, le payload est directement intégré dans le dropper. Et donc dans ces cas-là, en fait, il peut s'exécuter sans faire de première connexion à notre serveur C2. Ça évite justement les gens un peu trop curieux qui viennent voir ce qui se passe sur notre C2. La quatrième règle que je me fixe à chaque fois, c'est de faire attention aux changements de protection de la mémoire. Ici, on a un EDR que je n'ai pas cité, qui, par exemple, quand on fait un changement de la protection de la mémoire de la fonction ntTraceEvent, eh bien, en fait, il va trigger, il va détecter que c'est un comportement anormal et il va en fait killer notre payload, notre dropper, pardon. Pour éviter justement tous ces changements de protection de la mémoire, on peut faire ce qu'on appelle soit du direct, soit de l'indirect syscall. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va tout simplement on va créer, pardon, un processus en état suspendu et on va venir lire, en fait, dans la structure PEB, dans le Process Environment Block de ce processus-là, pour lire la structure In-Memory Order Module List, donc qui contient, en fait, la liste de tous les modules chargés. On va récupérer l'adresse de la NTDLL. Et ensuite, on va regarder dans cette NTDLL toutes les fonctions qu'elle contient. Et pour chaque fonction, on va récupérer l'identifiant de syscall et l'adresse vers l'instruction jump de cette fonction. Et ensuite, on peut faire de l'indirect ou du direct syscall.
Tout simplement, en fait, on a juste à déposer dans EAX l'identifiant de syscall et à faire un jump vers la fonction qui fait le jump, enfin qui fait le syscall, pardon, dans la librairie NTDLL. Sauf que ça, c'est assez détecté, puisque en fait, bah, quand on fait un jump directement sur une instruction de la NTDLL, bah, c'est pas quelque chose de légitime. Normalement, on est censé appeler une fonction qui, elle, fait le jump vers justement notre syscall. Et donc, du coup, bah, ça peut être détecté par un EDR. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les custom call stack. Le custom call stack, en fait, c'est une fonction qui va exécuter une fonction. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris en fait le travail de Chetan Nayak, donc le développeur de Brutratel, un C2 qui est assez connu. En fait, on va utiliser la fonction tp-alloc-work, qui est ce qu'on appelle un worker. Donc c'est une fonction justement qui va exécuter une fonction. Et on va lui passer en fait une structure de données. Cette structure de données, elle contient un pointeur vers une fonction de la librairie NTDLL, ainsi que tous les arguments dont la fonction a besoin. Là, en l'occurrence, vu que c'est une allocation de mémoire, on a besoin d'avoir un handle sur un process, on a besoin d'avoir une taille d'allocation, on a besoin d'avoir des permissions également à appliquer sur la zone qui est allouée, et également bah, le pointeur qui va ensuite nous donner l'accès, qui va rediriger vers la zone qui a été allouée. Lorsque notre beacon il va appeler cette fonction ntallocwork, donc en fait il passe par un pool de threads pour l'exécuter, de manière asynchrone donc, eh bien en fait, la fonction tpallocwork va venir lire un petit bout de code en assembleur qu'on a écrit, qui va permettre de mettre dans les bons registres nos bonnes données, et ensuite il va jumper vers la fonction ntallocateVirtualMemory de la NTDLL. Le truc c'est que du coup, vu que c'est tpallocwork qui a effectué ces manipulations, bah, notre beacon, lui, en quelque sorte, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est pas lui qui a alloué de la mémoire, c'est tpallocwork. Sauf qu'il l'a alloué pour nous. Et donc, du coup, bah, on a une allocation de mémoire, on n'a pas modifié la protection de la mémoire d'aucune fonction, et on ne s'est pas fait détecter. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ces méthodologies, il y a eu un talk qui a été fait à la Black Hat en fin 2023, qui s'appelle Pool Party. Je vous encourage à le lire, c'est très très intéressant. Ensuite, les files d'exécution APC, donc c'est des exécutions asynchrones. Ça peut être utilisé dans certains cas lorsque votre processus est en état suspendu, en état alertable, et donc en état suspendu, il est en état alertable. Le problème, c'est que notre processus, on doit avoir un handle avec les droits en full RWX dessus, et ça, c'est très suspect. Donc, c'est pas toujours utilisé, ça va toujours dépendre des cas. Grosso modo, en fait, toutes les règles que je vais vous montrer là, ça ne va pas être forcément ce qu'il faut appliquer. À chaque fois que vous allez vouloir contourner un EDR, il faut savoir lequel c'est, il faut essayer d'obtenir un POC ou un essai gratuit sur cet EDR-là, et puis tester ce qui passe, ce qui passe pas. La règle 6, c'est pouvoir utiliser des NamePipes. Donc un pipe, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une méthode de communication interprocess. Les pipes ils sont créés à la racine d'un système de fichiers qui s'appelle NPFS. Pardon. Quand vous faites par exemple un SMB client et que vous faites un shares, SMB client.py de la librairie impacket et que vous faites un shares, vous voyez les partages administratifs, $, admin$, et il y a un petit IPC$. Et bien justement, en fait, c'est ce IPC$ qui va vous lister en quelque sorte bah, tous les NamePipes qui existent sur votre poste. Les NamePipes, c'est très intéressant puisque c'est légitimement utilisé par le service spooler d'impression, par le LSAS, par plein de choses. Et là où ça peut être super intéressant, c'est que, eh bien, une fois qu'on a établi un premier beacon sur notre machine, on peut tout à fait créer un exécuteur qui va exécuter une fonction provenant d'un NamePipe. Donc en fait, cet exécuteur, on va le démarrer grâce à notre beacon, soit via une tâche planifiée, soit via un service. De cette façon-là, il sera complètement délié de notre beacon. Ce n'est pas notre beacon qui va l'exécuter, ce sera la tâche planifiée ou le service. Donc de cette façon-là, il est complètement délié. Et en fait, notre exécuteur, ce qu'il va faire, eh bien, c'est simplement aller lire sur le NamePipe qu'il va créer dans un premier temps, les commandes qui sont déposées sur le NamePipe par notre beacon, les exécuter, et inscrire sur le NamePipe le résultat des commandes qu'il a exécutées. L'avantage, c'est que si vous exécutez une commande malveillante, eh bien en fait, il y a uniquement le NamePipe
le NamePipe exécuteur, pardon, qui va être détecté et killé par l'EDR. C'est beaucoup plus furtif qu'une connexion TCP, ça ne nécessite pas de droit administrateur et ça supporte des communications full duplex. Ici, par exemple, l'avantage également, c'est que ça peut être accédé par le réseau. On n'a pas besoin d'être physiquement sur la machine pour faire une utilisation de NamePipe. CobalStrike utilise justement cette technique avec ses beacons SMB. Sauf que CobalStrike, si on ne le modifie pas, il prend toujours le même nombre de NamePipe et c'est détecté. Comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, il suffit de mettre l'adresse IP, d'avoir les bons droits sur la machine, et ensuite, on peut se connecter sur le NamePipe et déposer nos commandes pour que l'exécuteur les exécute. Tout en bas de l'écran, je vous ai mis en fait une détection de l'EDR. Donc c'est, je vous citerai pas cette fois-ci l'EDR que c'est, mais en gros j'ai exécuté la commande who am I pour trigger justement cette EDR là. Et si on remonte dans ce qu'on appelle nous en tant que SOC analyste le process tree, donc l'arborescence d'exécution, eh bien on voit qu'on peut remonter jusqu'à notre exécuteur. Et ensuite, on voit que on revient sur le binaire services.exe, donc le binaire de service Windows. Donc on voit très bien qu'on n'est pas du tout remonté jusqu'à notre beacon, on s'est complètement arrêté jusqu'à notre service Windows. Le command line argument spoofing. Ça, c'est une petite technique qui, on va dire, c'est pas du contournement EDR, ça va être plutôt pour contourner les analystes de sécurité. En fait, ce qu'on va faire, c'est que quand notre processus il est lancé, on va de la même façon aller lire son PEB, le Process Environment Block, et on va modifier en fait son paramètre ses paramètres de process. Et donc, on va pouvoir spoofer une commande. Donc là, on voit dans la détection, j'ai refait un who am I avec un PowerShell, et on voit que dans la command line, on n'a pas de whoami.exe qui est déclenché. On a un echo this command is not suspect. Ça, c'est une technique qui est assez ancienne, plus forcément d'actualité. Je l'ai mise parce que ça fonctionne encore quelques fois, et c'est bon de le connaître. Le Microsoft Process Mitigation Policy. En fait, cette technique-là, elle consiste à empêcher le chargement d'une DLL qui n'est pas signée ou trustée par Microsoft. Ici, on voit par exemple qu'on a une brique, donc c'est pareil, je ne vais pas le citer, ça vient des ZET, on a une DLL qui est une DLL justement de détection de comportement. Et en fait, il semblerait que EZET, son certificat, ne soit pas trusté par Microsoft, en tout cas pas pour cette DLL-là, puisque en fait, si on modifie le flag de notre processus et qu'on lui applique justement ce blocage de DLL qui n'est pas reconnu par Microsoft, eh bien lorsqu'on lance un CMD, on voit qu'on n'a plus la présence de notre librairie qui est injectée par notre DLL. Donc aujourd'hui, la plupart des EDR, ça ne fonctionne plus cette technique-là. Je vous l'ai mise quand même, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça passe. Alors évidemment, là on a contourné l'EDR, mais derrière, il y a plein d'autres mécanismes d'anti-botnet, etc. Donc voilà, là on voit que notre binaire a été détecté. Règle numéro 9, j'étais le premier à faire l'erreur. Ne jamais mixer toutes les techniques. Il ne faut pas essayer de mettre plein de techniques en même temps dans votre code. Ça va juste créer de plus en plus d'IOC, de plus en plus d'indicateurs de compromission. Et donc, du coup, ça va de plus en plus permettre à l'EDR de vous détecter, puisqu'il y aura de plus en plus de choses à détecter. Donc, du coup, il faut vraiment se focaliser sur une seule technique et agir le plus légitimement possible. Et enfin, la dernière petite règle que j'applique, c'est de ne jamais exposer son C2. C'est un peu, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, de ne jamais faire de staging, sauf que là, en fait, vraiment, le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle un serveur frontal, de faire du fronting devant notre C2. Le principe, c'est que notre beacon qui tourne sur notre victime, eh bien, en fait, toutes les commandes qui va venir chercher un beacon, je vous rappelle, c'est pas un reverse shell. Ça va venir à intervalles réguliers interroger quelque chose pour savoir s'il y a une commande à exécuter. Il l'exécute et il renvoie le résultat. Ça, c'est du beaconing. Donc notre beacon, il va venir sur notre redirecteur, voir s'il y a des commandes à exécuter. Et en fait, notre redirecteur, c'est un peu comme un proxy. Il va juste prendre les données que lui a demandé le beacon, les transmettre à notre serveur de contrôle. Le serveur de contrôle lui dit « Ok, moi je voudrais exécuter cette commande-là » et il va le renvoyer au beacon.
Il y a plein de redirecteurs qui existent, les dev tunnels de GitHub, Google Drive, Azure Front Door, AWS Front Door. Il y a même VirusTotal, l'API de VirusTotal qui peut être utilisée pour faire de la redirection. Il y a du Discord, du Telegram, bref, il y en a plein. Pour cet exemple-là, j'ai voulu juste vous montrer au niveau de Azure, les Front Door. Donc là, c'est du domaine fronting. En fait, le truc, c'est qu'on va créer en quelque sorte un site web, on va dire, un petit serveur frontal. Et ce serveur frontal, il va rediriger vers une origine. Et cette origine, tout en haut, eh bien, c'est notre serveur de contrôle. Alors évidemment, hein, on peut chaîner les serveurs de redirection. On pourrait très bien avoir justement notre front door Azure qui pointe vers un serveur qui fait du proxy pass, qui pointe lui-même vers notre C2. C'est tout à fait possible. L'avantage du front door de Azure, c'est qu'en fait, ça va taper sur les CDN d'Azure. Donc, en fonction de où sera localisée notre victime, en fonction de la charge des serveurs qui font partie du pool, bref, c'est du Content Delivery Network, ça fonctionne comme Netflix, c'est en fonction de votre localité, du serveur qui va répondre le plus rapidement, et bien en fait, la communication va être établie par notre beacon vers le serveur sur le CDN le plus proche, le plus rapide. Donc c'est pas toujours le même, et donc du coup, bah, pour un analyste, c'est très très chiant à bloquer. Donc là, on voit qu'on a un serveur de contrôle derrière, hein, c'est AVOC pour ceux qui ont reconnu. On démarre simplement un listener qui porte le nom de notre domaine sur Azure, et derrière, on a de la communication. Là, j'ai laissé par choix une communication en HTTP pour qu'on voit passer les requêtes. On retrouve le jQuery, les trams jQuery de tout à l'heure, et donc bah, ça peut être apparenté à une communication tout à fait légitime. Et enfin, on a fait donc nos 10 petites règles. Je vais vous donner quelques petits tips également qu'on utilise de temps en temps. Ici, on a un LOLBAS, ce qu'on appelle. C'est une petite technique qui utilise un binaire légitime de Windows à mauvais escient pour s'en servir contre l'utilisateur, contre les mécanismes de protection. Là, en l'occurrence, c'est le conhost. Le conhost, son intérêt, c'est qu'en fait, avec le paramètre « –headless », eh bien, on peut carrément exécuter un binaire sans affichage. Ici, si on double-clique sur la fenêtre de gauche, simplement sur notre beacon, on a une fenêtre console toute moche. Et si on utilise un conhost –headless avec notre binaire, eh bien, en fait, on voit qu'il est exécuté dans notre gestionnaire des tâches, mais il n'a pas été affiché. Ça peut évidemment être détecté. Suivant les mécanismes qui remontent la télémétrie, là, on a une règle Yara. Et cette règle Yara, donc elle fonctionne pour un produit sous Windows, lorsqu'on a une création de process avec un parent qui est conhost.exe, en bas on peut avoir d'autres éléments, hein, on peut par exemple exclure certains process ou autres, eh bien on peut déclencher une alerte. Et une petite pépite aussi qui m'est arrivée récemment, on a fait un test sur Defender for Endpoint et il semblerait qu'un analyste ne puisse pas stopper les processus qui sont signés par Microsoft. Microsoft aime un peu trop Microsoft, donc on pense tout de suite à s'il y a de l'injection de process dans un SVC host qui est signé par exemple, ça peut poser problème. Et évidemment, faites-vous confiance à vos certificats de confiance. On l'a vu récemment, alors il y avait Nvidia en 2022, mais plus récemment, il y a AnyDesk et également D-Link qui ont leurs certificats qui ont fuité. Il faut savoir que ça, c'est le genre de choses. S'il y a un certificat qui est trusté par le système, ça va éliminer beaucoup, beaucoup de signaux faibles. Et ensuite, il n'y a plus qu'à envoyer votre payload et croiser les doigts. C'était pour toute la partie obfuscation. Et en bonus, on va voir une petite technique justement, qui permet de dumper les hashes d'un système, enfin d'un contrôleur de domaine, même d'un domaine, sans déclencher d'alerte au niveau de l'EDR et du CIEM. Alors, ce n'est pas une technique que j'ai inventée, hein, elle existe déjà depuis très longtemps. Ici, on a une règle de détection au niveau du CIEM qui détecte justement tout ce qui va être DC sync, donc réplication d'annuaire. Et on voit que, dans cette réplication d'annuaire, il y a des exclusions qui sont appliquées sur cette règle de détection. Et donc on a le compte NT Authority, qui est donc la machine elle-même, hein, un DC a le droit de faire du DC sync, mais surtout on a un compte qui commence par MSOL underscore. Et ce compte MSOL, eh bien en fait, c'est le compte par défaut qui est créé lorsque ce n'est pas spécifié,
lorsque vous allez installer une synchronisation Azure AD, alors Entra ID maintenant. Et en fait, ce compte MSOL, il est stocké dans une base de données, qui s'appelle ADSync ou ADSync 2019 pour les versions plus récentes. Et il est stocké, donc il y a son nom d'utilisateur qui est stocké et son mot de passe haché. Ce mot de passe en fait haché, donc chiffré même, ce mot de passe il est chiffré via la DPAPI. La DPAPI, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de chiffrement, c'est la Data Protection API qui est créée par Microsoft. Et en fait, cette DPAPI, elle va permettre, avec un dérivé du mot de passe du compte, de chiffrer, déchiffrer une master key qui contient un mot de passe qui permet de déchiffrer justement un blob qui contient les secrets. Et donc, en l'occurrence, c'est chiffré avec le compte machine, avec justement la DPAPI du compte machine. Donc il suffit d'ouvrir avec MS SQL notre base de données et ensuite, avec la librairie mcrypt, de venir déchiffrer en faisant un XPCMD shell. C'est en quelque sorte ici la seule chose qui pourrait être détectée. En production, je n'ai pas vu de règles de détection sur du XPCMD shell, mais XPCMD shell permet d'exécuter une procédure. Et cette procédure, on peut lui dire, tu utilises la librairie mcrypt et tu viens déchiffrer justement le mot de passe du compte MSOL. Et donc avec ce petit script PowerShell, vous récupérez le nom du compte MSOL, les identifiants, enfin le mot de passe en clair du compte. Effectivement, ça nécessite un accès sur le DC, soit en RDP, soit en WMI, WinRM ou autre. Et ensuite, une fois qu'on a les identifiants de ce compte MSOL, eh ben, on a juste à récupérer un jeton TGT, on l'exporte en mémoire et on peut faire un secrets dump, puisqu'on est identifié avec le compte MSOL. Ça ne va pas déclencher d'alerte, du coup, puisque, en quelque sorte, cette règle de détection, elle devrait être personnalisée pour chaque client, pour ne pas prendre en compte le nom du compte MSOL, mais plutôt l'adresse IP des DC. Mais c'est ultra embêtant, parce que ça demande de maintenir à jour les adresses IP des DC, etc. Ça pose d'autres problématiques. Évidemment, si vous êtes un gros sauvage, il y a juste à modifier le mot de passe du DC, et ensuite, on peut s'en servir. Mais avec un bon SIEM, en général, ça c'est détecté, donc je vous l'ai juste mis au cas où. C'était la dernière slide de ce talk. Si vous avez des questions après mes chats, je suis tout oui. Alors je vais anticiper la première question, hein. C'est vraiment mes chattes. Elle s'appelle Luna, Minerva, on peut les applaudir. Il y a une question au milieu, là en haut. Alors déjà, merci pour la conf. Premièrement, je vois pas ce que tu fais tout en bas de la courbe de Linkruger. T'as rien à y foutre. Deuxièmement, question très basique, mais c'est quel est l'EDR sur lequel tu as plus de fil à retordre sans le nommer, hein, évidemment. Tout dépend en fait de la maturité du client. Récemment, on a fait un pen test chez un client qui avait un EDR. Alors, c'est pas parce que je veux pas te dire le nom, c'est juste que je m'en souviens plus. Et j'ai vraiment galéré parce que son niveau de détection était très haut en fait. Ça va surtout dépendre de ça en fait. Dans mon travail, on va dire que j'ai la chance d'avoir les deux casquettes. Je fais du pentest, un peu de red team et aussi du SOC. Et en fait, au niveau du SOC, tu vas pas du tout avoir. Tu sais, l'EDR, c'est pas quelque chose, c'est pas un logiciel sur étagère, c'est vraiment personnalisé. On a des logiciels, enfin des clients par exemple qui fonctionnent avec du SaaS. Donc les clients ont uniquement accès à leurs fenêtres. On peut détecter, même si un CMD est ouvert, c'est pas normal. A contrario, tu as des devs admin locaux de leur poste. On connaît tous les devs. Donc voilà, on ne peut pas mettre le même niveau de règles. Ça va dépendre vraiment du niveau de maturité. Aujourd'hui, la plupart des EDR, on va dire, ils ont à peu près le même niveau de détection, les mêmes outils de détection. Tout ce qui va être TW, kernel, etc. Ok, merci. Difficile de répondre. Et je vais bien rendre le micro, mais il n'y a personne. Vas-y.
Bonjour. Au niveau de la mise en place pour l'extraction de l'AD, est-ce que le déchiffrement du mot de passe du compte nécessite des privilèges administrateurs déjà ou le compte système ? Oui. Ok, merci. Oui. Et d'ailleurs, on a eu une petite discussion avec quelqu'un, Cobalt, pour ne pas le nommer, juste avant la présentation, que je remercie d'ailleurs, on a fait la relecture avec lui. Pour ceux qui connaissent, j'ai dev un tool qui s'appelle Hécatombe. En fait, Hécatombe, il va se servir de la clé privée du domaine pour venir ensuite récupérer toutes les master keys et tous les blobs de tous les utilisateurs de tous les postes. C'est bon, j'ai fini. Et en fait, normalement, avec cette clé privée, dans un domaine Active Directory, les master keys, il y a un doublon qui est créé, il y a une clé de secours qui est utilisée. Et cette clé de secours, c'est la domain key. Et dans les tests que j'ai faits, j'ai pris un contrôleur qui avait un peu de vécu, j'ai pris un contrôleur tout neuf. Et les clés de la machine, enfin la master key de la machine, n'avait pas de backup key. Donc a priori, il fallait bien le mot de passe ou le hash du mot de passe du compte machine. Avec la domain key, ça ne fonctionnait pas, pour info. J'ai une question, du coup, ici. Ah, je vais me lever, ça sera plus simple. Ah, pardon, voilà. Je voyais là-bas. Pas de souci. Du coup, je voulais te demander, niveau expérience côté EDR, moi personnellement, j'ai eu pas mal de soucis avec un et du coup, je suis à l'écoute si tu aurais plutôt des tips ou des trucs, on va dire des astuces. Moi, c'était pour pas le nommer, ça serait plutôt Cortex. Je sais pas si niveau expérience, tu as pu te faire les dents un peu dessus. Et, pas avec celui-là. D'accord. Pas avec celui-là. Je dirais que le choix sera pas forcément l'EDR en tant que tel, mais le SOC que tu vas mettre derrière. Parce que ton EDR, il t'envoie des alertes. Ce qui est bien... Alors, je prends les discussions qu'on a eues en interne au niveau du SOC. Ce qui est vraiment l'idéal, c'est d'avoir un SOC open. Je prends du MDE, par exemple, c'est un curseur. Je veux plus, je veux moins, c'est tout. Si tu prends du Harfang Lab, par exemple, tu as un catalogue de règles de détection qui est complètement ouvert. Tu as du Yara, du Sigma, tu mets toutes les règles que tu veux. Et en fait, tu peux, vu que tu as accès au catalogue, tu peux déjà avoir accès à toute la partie un peu CTI qui a été faite, et tu peux modifier toi-même tes règles. Ça, c'est le gros avantage aussi, c'est que quand tu utilises un EDR qui est fermé, tu es dépendant de l'éditeur. Le principe, alors je vends un peu ma boulangerie, mais là où je travaille, on a de l'Harfang Lab, et justement, en fait, c'est le gros point négatif qu'on met tout le temps en avant, c'est que l'éditeur, quand il nous envoie des nouvelles règles, on fait toujours en fait une revue de ces règles-là, parce que on connaît nos clients, et on sait que par exemple cette règle-là, elle a beaucoup plus de chances de sonner chez notre client-là, ou alors de pas sonner chez tel client. Tu vois, c'est ça en fait qui va t'aider à faire le choix de ton EDR. Ouais, mais si tu veux, moi, dans mon cas, ce qui m'a posé le plus de problèmes, enfin, point de vue pentester, c'était vraiment que le tool, en fait, réagissait tout seul. En mode, je sais pas, j'étais connecté en RDP sur une machine, j'essayais de faire une attaque. Le truc, j'ai simplement ouvert un regedit, et juste à partir de ça, il m'a droppé la connexion, il m'a ban directement, quoi. Donc, on va dire que c'était assez furieux comme tool. Et. Si tu veux, enfin, ok, il remonte des alertes, mais ce que je trouvais par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir sur d'autres outils, celui-là était vraiment, on va dire, assez violent. En mode, j'ai eu le cas où sur une partie du réseau, j'avais énormément de machines qui s'étaient bannes entre elles à cause de l'EDR, quoi. Alors là, du coup, ce que tu parles, c'est, je pense, au-delà de l'EDR, c'est la partie SOAR, la partie réponse automatique, peut-être. Il y a certaines solutions. Encore une fois, je vais te dire comment nous on fonctionne en interne dans ma boîte. Quand on a un nouveau client, on fait de l'EDR managé, on est MSSP. Donc quand on a un nouveau client, on a toujours une période un peu d'observation du client. On lui laisse un mois, deux mois, trois mois suivant le nombre de faux positifs qu'on a. Et on va augmenter en fait notre niveau de détection de petit à petit en fait. Et on ne va pas mettre du blocage tout de suite. On va dire au client, ok, on vous installe un EDR, mais sachez que pendant la période d'observation, c'est pas comme s'il n'y avait rien, mais on bloque rien. Et une fois qu'on est sûr, justement, qu'on ne va pas bloquer une production, on va mettre en place petit à petit aussi du blocage. C'est aussi l'intérêt de Harfang Lab, c'est qu'en fait, les règles de ton catalogue, tu as des niveaux de détection.
low, medium, high et critical. Et en fait, tu peux personnaliser ton niveau si tu veux, par exemple, que tu fasses du blocage uniquement sur du medium, mais que tu aies uniquement de l'alerting sur du low, par exemple. Je comprends. Merci beaucoup. Voilà. Yes. Oui, ce serait. Merci beaucoup d'ailleurs pour la conf. Ce serait pour savoir votre opinion sur l'arrivée des. Des large language models sur les EDR classiques, enfin XDR entre grands guillemets, concernant les méthodes d'escape d'antivirus ou de DR. Qu'est-ce que vous pensez sur la suite du coup ? Je t'avoue que je ne suis pas expert du tout en intelligence artificielle, donc. Ok, je ne peux pas te répondre, désolé. Merci à tous. Merci, processus.